Hey, salut mon friend. On va parler d'un nouveau sujet, d'une nouvelle capsula, mon ami. Tout de suite, une nouvelle capsula avec Karim Bourri. Je rappelle que ce qu'on appelle la capsula, c'est une capsule de définition. Et à chaque moment où cela est permis, nous venons avec une définition. Et oui, jusqu'au jour où nous arriverons à la définition de cette chanson. Après, je vais zaf. Alors, on va se faire une nouvelle capsule de définition. Aujourd'hui, on parle de quoi, Karim ? Alors, on va commencer à parler du growth hacking. Le growth hacking, alors c'est pour ça que j'ai le look, Zama, les hackers. Alors, on parlera aussi des trois rôles dans l'entrepreneuriat, du hacker, du hipster et du hustler. Mais aujourd'hui, on va parler du hacker. Alors, en fait, dans le growth hacking, c'est quoi ? Ça veut dire que quand on a une startup et qui démarre, qui est en train de chercher son business model, et qui commence à le trouver, et qui commence à faire des ventes, en fait, avoir de la clientèle, de l'attraction, en fait, l'objectif, c'est d'en faire de plus en plus. Donc, il faut grossir. Et on a ce qu'on appelle du growth hacking. Et le growth hacker, c'est quelqu'un qui s'occupe en fait de ça. Alors essentiellement, le growth hacker et sa divinité, c'est la data aujourd'hui. Le growth hacker vit de la data. Alors on a un grand exemple de growth hacker, le patron du growth hacking qui est un Indien chez Facebook il y a quelques années, a recruté une équipe de marketeurs dans son équipe de growth hacking et les marketeurs à l'ancienne, donc très très bons marketeurs, hein, c'est pas juste top marketeur. Et ils arrivent, ils disent patron, comment on segmente, c'est quoi notre segmentation client et tout ça pour viser les actions et tout ça. Et là, le mec leur dit, mais vous avez rien compris, nous on vise la planète. Qu'est-ce que vous racontez ? Et en fait, ils ont segmenté tellement finement, c'est un truc extraordinaire chez Facebook. Et pour chaque segment, en fait, l'objectif, c'est de suivre la data et de faire en sorte qu'ils augmentent de plus en plus et de plus en plus. On pourra donner des exemples aussi sur ça. Alors, le growth hacking, c'est un métier, c'est une philosophie, mais c'est très transversal, c'est très complexe. C'est aussi complexe que le business developer, quoi. On en parlera aussi. Et le growth hacker a des outils à sa disposition et a aussi des frameworks, des modèles. Et un des frameworks aujourd'hui qu'on connaît... Oui, et tu vas nous parler de l'état de... De quoi ? L'art. Oui, l'état de... Alors, le premier... Alors, je vais juste aujourd'hui focaliser sur un framework qui est le AARRR. Le ARR. De l'art. Exactement, c'est l'état de l'art. Alors, ce framework qui s'appelle AARRR est un framework qui est utilisé par les growth hackers pour pouvoir mettre en place, in fine, des KPI, hein, de voir qu'est-ce qui se passe pendant leur chasse à l'augmentation ou growth de leur clientèle, in fine, marché, donc du business et du fric. Alors, le framework qui commence comme ça, AARRR, commence en fait par le premier A qui est en fait le A pour attraction. Alors l'objectif, c'est on a un segment, des clients potentiels, et on veut les attirer pour les transformer en clients. Donc on va mettre en place des stratégies, des actions qui vont les apporter à venir vers nous. Alors selon les modèles, alors j'aime bien donner des modèles tel McLean, je me dis de Britannica, de la quête, mais chef digital. Par exemple, tu as très 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 bien fait le jazz, c'est Chouayen. Il dit le Chahma, pour le Hadida, pour le Fham, ou le Chahma, il est Djibkom. Donc en fait, c'est Shahmali, elle vous attire. Donc c'est le premier A, c'est pour attraction. Ok. Le deuxième A, une fois que nous avons joué le Hanout le Rehaja Bitcom, au final, tu as un cadeau, tu as un cadeau. Donc d'un seul coup, vous passez du prospect qui se transforme en client et on vous a activé. Donc le deuxième A, c'est pour activation. Une fois que vous avez mangé, etc., vous payez, vous vous cassez. Et en fait, maintenant, le gros objectif qui va venir dans le temps, c'est l'objectif qui s'appelle qui s'appelle la rétention. Ça veut dire je dois te garder maintenant. Et aujourd'hui, dans le growth hack, en fait, l'objectif, c'est de commencer par ce R qui est la rétention. En fait, on commence par mettre des stratégies de rétention.
en faisant aussi très attention de ne pas tomber sur les pièges qui sont qu'on appellerait aujourd'hui des poches de rétention, c'est-à-dire que on a l'impression que ça fonctionne, mais ça fonctionne que momentanément. Donc c'est pour ça que la rétention, c'est aussi une stratégie itérative. On teste et on teste et on reteste. Et le growth hack est basé sur cette capacité de créativité, de schéma de AARRR. Et on commence généralement par dire qu'est-ce que je vais faire pour retenir mes clients. Et d'ailleurs, il y a une finesse. Ça termine vite. Il y a une finesse, il y a une fine limite qui existe et qui doit être aussi bien appréhendée dans l'entreprise. C'est la différence qu'il y a entre la fidélisation et la rétention. Exactement. Alors, c'est deux choses. En fait, dans ce modèle, en fait, tu fais bien d'en parler. C'est que c'est le deuxième R, donc le A pour attraction, le A pour activation, le R pour rétention, et le deuxième R, c'est le referral. En fait, c'est une action avec laquelle on mesure cette fidélité. En fait, l'objectif, que quand tu es un client qui revient, la deuxième étape qu'on attend que tu fasses, toi, client qui nous aime, c'est que tu nous réfères. En fait, tu nous fasses du bouche à oreille, donc du référal. Et l'objectif, c'est que tu nous ramènes d'autres clients. Donc, tu vas devenir une action d'attraction en toi-même. Et c'est là où c'est très important que ça joue, en fait, ce rôle de fidélisation et de rétention en même temps sur les deux R et les deux A. Alors, le troisième R qui est très facile à comprendre, qui est le revenu. C'est-à-dire que derrière toutes ces actions, l'objectif, c'est de faire du fric. C'est quand même générer du revenu. Exactement. Alors, bien évidemment, faut voir aussi le revenu comme étant des économies qu'on peut faire aussi sur le coût d'activation, transformation d'un client. C'est ça où il faut faire très attention sur ces modèles de le double A, triple R. C'est sur la rétention. Parfois, comme je disais, il y a des niches. On fait des actions, on dit putain, on vient de mettre 100 euros de pub, donc 100 euros de schéma, quoi, tu vois. Et pour 100 euros de schéma, on a eu 1000 clients, tu vois le truc. Et tu vas dire, c'est facile, si je mets maintenant 1000 euros de schéma, je vais avoir 10 000 clients. Et en fait, tu mets 1000 euros, tu as toujours 100, tes 1000 clients, pas plus, ça n'augmente pas, parce qu'en fait, c'est une taille critique que tu as atteint et ça ne veut pas dépasser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette itération, ces tests qui te permettent de vérifier. Par exemple, on a des grands modèles. Twitter, c'est les fameux 30 followers de Twitter. En fait, Twitter, quand ils avaient commencé dans leur business model, ils pensaient que l'objectif final, c'était de faire tweeter. Donc, l'objectif, c'est qu'on tweet, nous. On tweet, 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 tweet. Et en fait, malheureusement, il n'y avait pas de tweet. C'était une catastrophe. Quand ils mesuraient le taux de rétention et le taux de transformation sur le nombre de tweets que nous, on faisait après avoir créé un compte, c'était une catastrophe. Et ils ont commencé à analyser les datas. Comme je disais, la data, c'est le growth hack. Ils se sont rendus compte d'un truc très... Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou pas, mais c'est ce qu'on raconte dans la Silicon Valley, qu'en fait, ils se sont rendus compte que les gens qui étaient actifs, des users actifs, qui est aussi un élément très important du growth hack, de reconnaître les users actifs et de raisonner sur les users actifs, décomposer ce qu'ils font et faire leur journée mapping, etc. C'est que sur les users actifs, on s'est rendu compte que ils followaient 30 personnes déjà. Et en fait, dès que tu arrivais à 30 personnes que tu followais sur Twitter, tu devenais un user actif permanent. Et en fait, d'un seul coup, qu'est-ce que Twitter a fait ? La semaine qui t'a un compte Twitter, le hajj l'oulé l'idikdera tweeté. يقول لك كيفاش تويتي وماك ونحاوا ولا الحاجه الاولى اللي ديرها كي تحل الكونت تويتر يقول لك هاملك العباد اللي تقدر تتبعهم. Et dans cette logique هذه Twitter ils ont été plus loin, ils ont créé un département, donc c'est tout un corps de métier chez Twitter, qui sont des gens qui détectent des talents, donc des gens, des influenceurs, dans tous les domaines possibles et imaginables. Ils les recrutent, ils les forment à utiliser Twitter et ils les poussent à tweeter un maximum. Et ils leur offrent jusqu'à 25 000 premiers followers gratuitement. Et du coup, l'objectif, c'est juste d'avoir des gens dans toutes les catégories, tous les fields, etc., pour te plaire au maximum. Facebook aussi, c'est un très bon exemple. Eux, c'était les emails. Généralement, dans les double A, triple R, on dit toujours faire attention de ne pas utiliser le mail parce que c'est du spam. Et en fait, Facebook, au début, c'est totalement l'inverse. Ils ont fait que du mail. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 7 mails, je pourrais raconter la prochaine fois cette histoire, au bout de 7 mails, tu devenais un user actif. Et plus intéressant, ils se sont rendus compte qu'au bout de 7 mails qui te venaient de 7 personnes différentes, et si tu étais un mec, si cette personne était des femmes, tu étais activé à une vitesse extraordinaire. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire un growth très intéressant.
intéressant et très important et rapidement. Donc, il y a aussi le modèle de Airbnb qui a été mesuré avec les photos. C'est des histoires assez connues. Je pense que vous pouvez chercher et trouver. Mais grosso modo, tout le monde a utilisé en fait ce framework de AAA, qui est un framework de growth hacking, où tu as le premier A qui est l'attraction, le deuxième A qui est l'activation, le premier R qui est la rétention, le deuxième R qui est le referral, et le troisième et dernier R qui est le revenue. Voilà mon ami. La chose la plus importante pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entrepreneurs. Alors c'est encore une fois le cinquième point, le dernier point. Évidemment, l'expression aussi, s'il est en dernière position, c'est que c'est le cheminement de toute cette logique, Exactement. va permettre de générer cette partie. Alors, pour les amis, on a mis un petit slider que je pourrais partager plus tard. Alors, vous voyez qu'ici, il est inversé entre le referral et le revenu. Mais moi, je préfère toujours donner le revenu à la fin. C'est toujours intéressant. Mais c'est pas la Bible. Le plus important, c'est pas le Coran. Le plus important, c'est la rétention. C'est le plus important. Voilà les amis. Acquisition, rétention, les deux termes, les deux parties les plus importantes, puisque l'acquisition c'est tes premiers achats, la rétention c'est la récurrence des achats par la suite entre guillemets. Exact. Et on reviendra plus tard peut-être pour parler encore plus du growth hacking. Alors juste un petit détail, ne pas oublier que tout ça c'est pour des startups qui commencent à avoir du flux. Voilà. Merci les amis. Ciao. À la prochaine. C'est terminé. C'était l'état de l'art. Allez, ciao. Ciao déjà.